Dans la dynamique des réformes sur l'organisation des concours entamées par le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, un décret a été adopté pour fixer les conditions d'organisation, d'administration des épreuves et de publication des résultats des examens professionnels et des concours. À cet effet, écoutez les explications du directeur du contrôle approfondi de l'Agence générale de recrutement de l'État, M. Séverin Ningimpanga Tiendrebiogo. Merci pour l'opportunité que vous nous offrez de parler de la passerelle. Et en effet, la passerelle est une émanation du décret numéro 2019-1111 portant répertoire des emplois interministériels de l'État, qui définit la passerelle comme étant le passage d'un emploi de niveau inférieur à un autre emploi de niveau immédiatement supérieur, relevant d'une autre famille d'emplois. Et son application se fait sur la base d'un quota. Et ce quota, selon ce décret-là, en son article 6, ne devrait pas excéder le tiers du nombre total de postes à pourvoir. Alors, toute la problématique vient de là. Je prends un exemple. Si nous avons 4 postes ouverts et que nous voulons déduire le tiers des postes qui devraient normalement revenir à ceux-là qui ne relèvent pas de l'emploi, donc ceux-là qui sont venus des autres emplois, eh bien, sur les 4 postes, ils n'ont droit qu'à un seul poste. Comme le décret dit qu'on ne saurait excéder le tiers, on va s'en tenir à un poste. Et s'il se trouve qu'il n'y a pas de candidat relevant de l'emploi même, il va sans dire que les 3 autres candidats restants seront placés sur la liste d'attente. Parce qu'au cas où il y aura un désistement du seul candidat qu'on a retenu sur le nombre total de postes ouverts, eh bien, il faut bien qu'on puisse le remplacer. Voilà un peu l'explication qu'on pouvait donner en ce qui concerne la mise en œuvre de la passerelle et qui explique qu'on n'est pas pourvu à tous les postes ouverts et on a finalement une liste d'attente.